Je suis allée sur l'annuaire. Il y avait beaucoup de personnes qui portaient ce nom-là et je les ai tous faits, je les ai tous appelés. Leur enfant est réapparu dans leur vie. Il m'a appelé le 23 décembre. J'étais content, mais j'étais un peu perdu parce que j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête, quoi. Certains ne savaient même pas que cet enfant existait. Je disais toujours à mes collègues, c'est vrai que toutes les aventures que j'ai pu avoir, j'ai jamais eu encore de demande de paternité. Mais un jour, les retrouvailles ont enfin eu lieu. Lorsque je suis arrivée, elle m'attendait au pas de la porte. On est étrangers, de retrouver son père à 20 ans, et à 52 ans, retrouver un fils de 20 ans, ben, ça fait un choc. Le fait qu'il m'ait reconnue, quelque part, c'est un petit peu une manière de se racheter de son absence. Et il essaye de rattraper. Voilà. Fidélité et merci à tous nos invités de venir partager leur expérience avec nous. Aujourd'hui, Marine est à mes côtés. Bonjour Marine. Bonjour. Marine a 30 ans et un tsunami vient de chambouler sa vie puisqu'elle a rencontré son père pour la première fois l'été dernier. Savait-il que vous existiez, Marine ? Et non. Bon, alors je vous laisse vous installer. Merci. Vous allez vous installer face à nos invités dont nous allons faire la connaissance tout au long de l'émission. Trois hommes qui ne sont pas des pères comme les autres, que leur paternité leur ait été volée ou qu'ils aient choisi d'élever leur enfant de loin, ils ont tous du mal à trouver leur place dans la relation qui les unit désormais avec leur fils ou leur fille. Alors pourquoi ont-ils été en rupture avec leurs enfants? De quelle manière envisagent-ils leur lien aujourd'hui? Eh bien c'est ce qu'ils vont nous raconter tout au long de l'émission. Et puis dans l'histoire continue, Estelle et Claudine, elles nous diront où elles en sont depuis leur premier passage sur notre plateau. Mais ouvrons tout de suite la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Si j'avais su » et faisons la connaissance de Pascal, un homme qui estime avoir été trahi. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, il y a 3 ans et demi, vous avez appris une nouvelle qui a bouleversé votre vie et que vous a révélé l'un de vos amis un soir de juin 2011. Mais il m'a simplement révélé que j'étais papa malgré moi. Malgré vous? Pourquoi malgré vous? Parce qu'on a oublié de m'informer. Mmh. Donc il vous a révélé que vous aviez une fille de quel âge? À cette époque, à ce temps-là, j'avais une fille qui avait 16 ans. Quelle a été votre réaction quand on vous a dit ça? Vous l'avez cru? Oui, je ne pouvais que le croire puisque c'est un ami d'enfance. J'ai eu autant de la joie, mais surtout de la rancœur concernant cette trahison. Qu'on ne vous l'ait pas dit plus tôt? Voilà. Et comment votre ami d'enfance était, lui, au courant? Il était au courant parce qu'il connaissait cette personne, il la voyait de temps en temps. Il m'a simplement dit, tu sais, elle a eu une fille. Et moi, je lui ai simplement répondu, bah, tant mieux pour elle, je suis content pour elle. Parce que dans mon esprit, elle avait refait sa vie. Alors, on va revenir au milieu des années 90. Lorsque vous avez fait la connaissance de cette femme, quel couple formiez-vous tous les deux? On s'est connus lors d'une occasion bien spéciale. Et c'est vrai que nous sommes restés approximativement 3 mois, 3 mois et demi. On se voyait. Nous n'habitions pas ensemble, bien sûr. On était chacun chez soi, mais on se voyait régulièrement. On a échangé quand même si le temps paraît court, on a échangé pas mal de choses ensemble. On a partagé aussi. Voilà. Et c'est au bout de 3 mois et demi que tout s'est arrêté, pour moi, sans aucune raison. C'est-à-dire, tout s'est arrêté, elle vous a quitté? Voilà. Alors, comment vous avez réagi lorsqu'elle vous a quitté? J'imagine que ça n'a pas dû être simple pour vous, non, cette rupture. Ça n'a pas été simple. En plus, j'étais fleur bleue, alors... Ça me travaillait sur tout l'esprit, quoi.
À l'époque, vous étiez déjà en fauteuil ? Non, je n'étais pas, j'étais pas en fauteuil. Alors, pour oublier cette histoire, ou pour vous changer les idées, je ne sais pas si on peut oublier une rupture douloureuse, vous êtes parti à bord d'un bateau, puisque vous étiez voilà, à l'époque guide touristique, en 1995. Combien d'années après votre départ avez-vous reposé le pied sur la terre ferme ? Au bout de 5-6 ans. C'était une fuite de partir comme ça, ou vous avez bien vécu pendant ces 5-6 ans, vous avez eu d'autres liaisons? Non, c'était quelque chose que j'avais prévu, puisque c'est ma passion, la navigation, ça fait partie de ma passion, et c'est toujours ma passion, même si je suis assis depuis 1m45, je pratique beaucoup les sports nautiques, et c'était ma passion depuis tout petit. Et ce rêve, je l'ai réalisé, c'était quelque chose que j'avais prévu. Entre-temps, c'est vrai, j'avais connu cette personne, mais il était prévu que je parte 6 mois après. Et vous aviez à l'époque beaucoup de succès, parce qu'on m'a rapporté que vous aviez eu beaucoup de conquêtes quand même. Je disais toujours à mes collègues, c'est vrai que toutes les aventures que j'ai pu avoir, que ce soit dans un pays, en Grèce, etc., j'ai jamais eu encore de demande de paternité. Mmh. Quelle décision avez-vous prise dès que vous avez retrouvé vos esprits ? Je savais que les jeunes étaient souvent sur les réseaux sociaux. J'ai fait quelques recherches comme ça, et par l'intermédiaire d'une amie à elle que je connaissais, etc. Donc, tout de suite, vous avez voulu la retrouver ? Je suis rentré en contact avec elle, et de suite, elle m'a répondu. Mais en vous présentant comment ? Ben, on a instauré... par courtoisie, je lui ai dit comme ça, tu sais, je connais un tel, je savais qu'elle les connaissait absolument, voilà. Vous ne lui avez pas dit tout de suite que non, vous étiez son père? Parce que c'est vrai, je ne suis pas un grand timide, mais je ne savais pas comment aborder la chose. Vous l'avez apprivoisé d'abord? Je l'ai, voilà, apprivoisé, si je pourrais dire, dans le sens du poil. J'ai essayé, j'ai posé des questions, et puis après, 2-3 jours se sont passés. Je me suis remis en contact avec elle et je lui ai dit comme ça, « Tu sais, je voudrais quand même te poser une question. » Et elle me répond, « C'est pas la peine, je sais que tu es mon père, maman m'a tout raconté. » Deuxième fois, heureusement que j'étais assis sur mon fauteuil. C'est comme ça qu'est venue la conversation. Et petit à petit, c'est lié... Donc sa mère venait de tout lui raconter récemment ? Je peux pas vous dire, puisque moi, je ne sais pas au juste comment ça s'est passé, mais d'après ce que j'ai pu sentir, je pense, parce que je ne peux pas le certifier, sa mère l'a informé depuis le début. Je pense. Parce que vu les réponses que j'ai pu avoir, etc. Et puis je ne cherche pas non plus, vous savez, au contraire. Moi, j'étais dans le sens où je voulais déjà dire que comment et pourquoi, c'est vrai que c'est pas facile, je l'ai jamais dit, pourquoi, c'est comme ça, etc. Mais lui montrer quand même que j'étais quelqu'un, je veux dire, qui pouvait entendre et assez ouvert d'esprit, assez large. Alors 5 mois plus tard, vous avez convenu d'un rendez-vous. Dans quel état d'esprit, justement, avez-vous parcouru les 800 kilomètres qui vous séparaient d'elle ? Ça a été long, c'est vrai, mémorable, parce que je me suis fait les questions et les réponses dans la voiture et à haute voix, j'étais tout seul. À me préparer un peu, à dire bon, comment lui dire ça, etc. Il y a plein de choses qui m'ont revenu à l'esprit. Et c'est vrai que c'était assez particulier parce qu'en plus, j'avais un traitement qui était assez lourd, puisque là, j'étais en fauteuil. Qu'est-ce qui vous est arrivé, en fait ? J'ai eu un accident et j'ai fait un AVC il y a 12 ans. Voilà, ça a été, je dirais ça aussi, ça a été encore une autre renaissance. Mais bon, je ne peux pas tout expliquer. Bon, en tout cas, vous vous êtes entraîné seul au volant de votre voiture à ce futur dialogue que vous alliez avoir avec votre fille. Vous nous parlerez de ce que vous avez ressenti lorsque vous l'avez vue, cette fille de 16 ans, pour la première fois. Vous nous direz ça tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons saluer Yvonne Poncet-Bonisol, notre psychologue, qui va nous distiller ses précieux conseils concrets tout au long de l'émission. Que pensez-vous du témoignage de Pascal, Yvonne ?
Quand on apprend, comme Pascal, qu'on est père tardivement, la première réaction, c'est bien sûr un bouleversement et des émotions totalement mêlées. On est joyeux, on est en colère, on est plein de rancune et on est un peu déboussolé, on perd tous ses repères. Et ensuite, on se sent trahi. On se sent trahi pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que tout ce temps, eh bien, on vous a volé votre place de père, on vous l'a rapté, comme si vous étiez un père qu'on devait mettre à l'écart parce que vous étiez encombrant. Encombrant de quoi ? On n'en sait pas, mais on a tué votre présence. Et paradoxalement, pour les enfants, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que si vous êtes encombrant, l'enfant, lui, est encombré par votre quête. Cependant, après la notion de trahison, il y a comment vais-je faire pour nouer un lien après toutes ces années, parce que je ne l'ai pas vu grandir, comment faire pour justement que cet enfant sache que je suis vraiment son père, comment communiquer avec lui. Parce qu'après toutes ces années, on devient pudique. D'ailleurs, vous le dites, vous avez des appréhensions à l'avoir. Il y a une forme de romantisme, donc on s'imagine un enfant idéal et aussi votre fille doit s'imaginer un père extraordinaire. C'est comme une rencontre amoureuse, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, d'autant plus que vous, vous avez eu un rapport à l'enfance assez difficile. Oui. Et c'est ça, j'avais toute mon enfance qui ressortait. J'avais l'impression... Qu'est-ce qui vous est arrivé enfant ? Voilà, j'ai été recueilli à l'âge de 3 semaines avec mon frère. C'est assez dur parce que bon, c'est quand même une certaine émotion pour moi. J'étais recueilli dans une famille d'accueil. Et je me suis battu déjà pour mon identité. Vous étiez abandonné, vous étiez à la DAS ? Voilà. J'étais à la danse et à cette époque-là, ben, soit les enfants allaient dans des pensionnats ou soit ils étaient récupérés auprès de familles d'accueil. Et c'est vrai que j'ai vécu ce que dit Madame Yvonne, je vous appelle ainsi. Hein. Madame Yvonne. Ce que vous dites vraiment, et c'est le cas, j'ai toujours connu, moi, contraint et forcé, la différence dans l'indifférence des gens. Parce que j'étais la pièce rapportée. Il m'a toujours manqué ça. Et ça continue aujourd'hui, puisque je suis en train d'établir depuis 20 ans des recherches. Parce que je veux savoir vraiment quelles sont mes origines. Et alors là, vous avez ressenti ça à nouveau. Vous vous êtes senti pièce rapportée dans une histoire qu'on vous avait cachée. Voilà, il y a un tas de choses s'est mêlé en disant ça se reproduit. Et oui. Je ne reproduis pas, mais ça se reproduit. Raconterai tout à l'heure la suite de votre histoire. Mais d'abord, nous allons saluer Léonard. Bonjour Léonard. Bonjour. Léonard, qui a fait le trajet depuis Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour nous raconter son histoire. Est-ce que, vous connaissiez déjà Léonard, notre plateau, puisque vous étiez venu nous rendre visite le 26 mars 2012. Ce jour-là, vous aviez préféré témoigner de manière anonyme. Et donc, je n'avais pas eu la chance de découvrir votre beau visage. Oh, merci. Pour protéger une partie de votre famille qui ne se doutait pas que vous avez eu une double vie pendant des années. Vous étiez marié, père de 4 enfants, lorsque vous avez croisé la route de Cécile. C'était dans un bus, c'était en France, dans les années 80. Qu'est-ce que vous avez 22, pensé exactement. D'elle en la voyant ? En la voyant, j'ai dit le coup de foudre. Quoi. Elle m'a plu tout de suite. Et je dis comment je vais faire pour conquérir cette femme, parce qu'elle me plaisait, elle me plaît encore aujourd'hui, énormément, même plus qu'avant. Encore plus qu'avant ? Plus qu'avant, oui. Et pourquoi ? Comment ça se fait ? Parce qu'on est ensemble, on vit tous les jours, chaque jour on vit notre journée ensemble, on partage tout, et c'est le bonheur, quoi. Alors, vous lui avez fait la cour, elle aussi est tombée amoureuse de vous à l'époque. Comment vivait-elle le fait que vous soyez marié ? Elle a accepté, quand je lui ai dit que je suis marié. Donc, elle avait quel âge, elle, quand vous l'avez rencontrée ? Elle devait avoir 28 ans. Est-ce que c'était pas difficile pour vous de lui imposer cette situation, vous disant que vous alliez peut-être l'enfermer dans une situation et l'empêcher de faire sa propre vie ? Non, 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 à aucun moment je n'ai pensé à cela. D'autant plus que, bon, en tant qu'Antillais, hein, on a l'habitude de voir un homme avec plusieurs femmes, donc... Non, mais ça, d'accord. Ça, donc j'ai vu la chose un peu de ce côté-là, de temps que moi-même... Vous n'avez pas vraiment pensé à elle Si, j'ai pensé à elle, et pour la garder. D'accord. Pour la garder. Pour la garder, d'accord. Qu'elle soit à moi.
Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que votre double vie donc, s'est vraiment installée. En 1983, ouais. Cécile a donné naissance à une petite Magali. Magali, oui. Elle vous a tenu au courant. Vous saviez qu'elle était enceinte. Absolument, mais c'est un enfant désiré. On n'a pas fait ça comme ça. On était d'accord tous les deux pour avoir cet enfant. Comment vous avez accueilli la venue de cet enfant ? Avec beaucoup de joie. Et en plus, elle venait de la femme que j'aimais. Vous l'avez reconnu, cet enfant ? Je ne l'ai pas reconnu tout de suite pour les circonstances que je viens de citer. Hein, marié, on ne pouvait pas, il fallait l'autorisation, etc. etc. Mais dès que cela fut possible, il y a 2 ans, donc on prend un passage à votre émission, à la sortie d'ici, on a filé tout de suite à la mairie pour remplir cette formalité. Je me souviens de votre fille. Votre fille était là ce jour-là. Hein. Elle était là. Alors, à ce moment-là, votre famille ne se doutait de rien. Quel événement ? Enfin, ils étaient au courant, mais bon, on ne voulait pas. Comment ça, ils étaient au courant ? Parce que j'avais annoncé que j'avais une fille à l'extérieur, mais... Vous l'avez annoncé à votre femme ? À ma femme, oui. Donc elle savait, votre femme, que vous aviez une lésion. Oui, une liaison. Mais elle avait refusé. Bon. Quoi ? Elle a refusé d'en savoir plus ou elle a refusé... Oui, d'en savoir plus. Mais vous aviez envisagé de partir à l'époque pour vivre votre histoire ? Non, pas vraiment. Donc on a continué cette vie et puis voilà. Très bien. Bonjour Jacques. Où en était votre vie sentimentale il y a 20 ans, Jacques ? Il y a 20 ans, j'ai vécu avec une jeune femme, on n'était pas mariés, donc voilà, ça se passait très bien. Et un jour, j'ai fait un enfant accidentellement, donc ça s'est fait comme ça. Et 6 mois avant qu'il naisse, j'ai voulu lui faire plaisir et j'ai voulu le déclarer. Et au lieu de nous rapprocher, ça nous a séparés. Donc votre idylle a pris fin et votre enfant a grandi sans vous. Et 20 ans plus tard, au mois de décembre dernier, vous avez reçu un coup de téléphone plutôt inattendu. Qui était à l'autre bout du fil ? C'était son frère. Son frère m'a dit que Maxime voulait le me revoir. Le frère de qui ? De votre enfant non, ou de, c'est... Votre... de sa compagne ? De ma mère. Compagne. Donc elle avait déjà un enfant avant, que je me suis occupé. Ouais. Donc voilà. Donc qui vous appelait ? Lui, il m'a appelé. Il m'a appelé le 23 décembre. Donc il m'a demandé si j'étais bien le père de Maxime. Mmh. J'ai dit oui. Mmh. Donc voilà. Donc après, il m'a donné le numéro de Maxime. Je l'ai appelé. On a pu... On va dire pas trop parler, parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait Pourquoi pas. Pourquoi il vous a appelé à ce moment-là, le 23 décembre ? Parce qu'il m'avait retrouvé, parce que Maxime m'avait demandé à me revoir, parce qu'il avait un nom de famille qu'il ne connaissait pas, donc il fallait bien qu'il mette un visage sur ce nom-là. Mmh. Voilà, donc. Donc en fait, il était en désir de connaître son père ? Oui, je pense. Alors, comment vous êtes-vous senti en raccrochant votre téléphone ce jour-là ? J'étais content, mais j'étais un peu perdu, parce que j'avais l'impression d'avoir que le ciel me tombait sur la tête. Quoi. Mmh. Parce que je ne comprenais pas, au bout de 20 ans, on lui dit, il n'y a papa qui est là. Quoi. Ouais. Et en même temps, c'est ce que vous attendiez depuis 20 ans ? Oui, parce que bon, je me suis battu bien avant et malgré tout, la police n'a jamais rien fait. J'ai fait des recherches avec la préfecture internationale et régionale parce que c'était gratuit. Donc ils n'ont jamais pu la retrouver, j'ai jamais pu faire quelque chose pour moi. Donc à un certain moment, j'ai pas baissé les bras, mais j'ai dit, la patience va faire le reste. Quoi. Alors, à partir du moment où vous avez su qu'il était en désir de revoir son père, est-ce que vous avez cherché à le contacter tout de suite ? Oui, le soir même, je l'ai appelé. Mais bon, on n'a pas eu tellement de dialogue, parce qu'à part dire oui, ça va, c'est tout. Parce qu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'on dit à son fils quand on ne l'a pas vu pendant 20 ans, hein? Quand on ne l'a jamais vu. Pas évident d'établir un dialogue avec un enfant qu'on ne connaît pas. Non, parce que je veux dire que nous, on est des étrangers, on va dire. Mm. On est des étrangers, il a 20 ans, et 20 ans, de retrouver son père à 20 ans, et son père à 52 ans, retrouver un fils de 20 ans, ça fait un choc. Réaction d'Yvonne. Je crois que ce que vous dites est quand même très douloureux parce que vous avez été exclu de votre place de père que vous revendiquez, que vous avez longtemps après sa naissance revendiqué. Donc, c'est comme si vous n'étiez qu'un géniteur. Et ça, c'est quand même une grande trahison. C'est ce qu'on appelle, en termes psychologiques, le meurtre symbolique du père. Et c'est vrai que vous n'avez pas participé à l'histoire de votre enfant. Et donc, pour retrouver un lien, c'est difficile. Mais néanmoins, c'est possible avec le temps. Alors, vous nous raconterez la suite de votre...
votre histoire tout à l'heure. Je vous ai présenté Marine en tout début d'émission. Depuis, elle s'est installée face à nos invités et les écoute religieusement. Elle nous racontera son histoire dans un instant. Mais d'abord, écoutez bien ces quelques appels à témoins pour nos prochaines émissions. C'est peut-être votre histoire. Si c'est la vôtre, eh bien, contactez-nous. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez venir témoigner sur notre plateau. Vous avez découvert que votre nounou jouait un double jeu. Votre conjoint a eu une liaison avec la nounou ou la baby-sitter de vos enfants, vous lui avez pardonné ou au contraire, vous l'avez quitté. Vous lui faisiez totalement confiance jusqu'au jour où vous avez réalisé qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Vous avez découvert qu'en votre absence, la nounou se faisait passer pour vous ou s'installer chez vous. Depuis qu'on a trahi votre confiance, vous n'osez plus faire garder vos enfants, de peur que la situation se reproduise. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de Toute une histoire. En 2010, cette famille nous avait tous marqués. C'est ma maman. D'accord. Là, c'est ma mamie. Oui. Là, c'est ma arrière-grand-mère. Là, c'est ma arrière-arrière-grand-mère. D'accord. Que voulez-vous demander, monsieur? Jean-Luc. Oh. D'habitude, tu les vois, les jeunes hommes, hein? Oh, pour ça, je vous ai bien bu. Quatre ans plus tard, nous reprendrons des nouvelles de cette tribu haute en couleurs dont l'histoire continue. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Ce sont des témoignages particulièrement touchants que nos invités nous livrent aujourd'hui. Pendant des années, ils n'ont pas vraiment connu leur enfant. Certains ne savaient même pas qu'ils étaient pères. Ils nous disent aujourd'hui à quel point cette nouvelle a bouleversé leur vie. Et on va découvrir maintenant le témoignage de Marine. Rebonjour Marine. Votre mère a eu une aventure avec votre père dans les années 80. Savez-vous ce qui l'a poussé à lui cacher sa grossesse? Mon père, en fait, à l'époque, était déjà en couple et avait un enfant. Donc votre maman s'est occupée de vous? Oui. Est-ce qu'elle vous parlait de lui? Non. Je posais des questions, mais non, j'avais des réponses vagues. À partir de quel âge vous avez commencé à poser des questions? Dès toute petite. Enfin, d'après ma famille, les témoignages de ma famille, ils me disaient que dès que j'ai su parler, je demandais où était mon père. Et elle ne vous a donné aucune information sur lui? Elle m'a donné son prénom et l'endroit où il travaillait à l'époque, où elle l'a rencontré, c'était sur son lieu de travail. Et elle m'a dit simplement qu'il avait un fils. Et à l'époque, elle me disait qu'il s'appelait Alexandre, mais j'ai su par la suite que ce n'était pas le bon prénom. Voilà. Donc à 20 ans, vous avez décidé de mener vous-même l'enquête pour trouver des réponses aux questions que vous vous posiez. Comment vous y êtes-vous prise pour retrouver la trace de votre père? J'ai commencé à aller sur Internet. Et sur ce site, il y a les années, il y a des entreprises en fait, et les personnes peuvent mettre de telle année à telle année, j'ai travaillé dans telle entreprise. Et donc moi, j'ai regardé l'entreprise où travaillait mon père à l'époque où je suis née, et j'ai contacté une femme qui travaillait aussi, et je lui ai dit, voilà, je recherche un homme, il s'appellerait comme ça, il aurait un enfant de tel âge, voilà. Et du coup, elle m'a dit, je vais me renseigner. Et quelques jours après, elle m'a envoyé un message et elle m'a donné son nom. Elle m'a dit, c'est bien le bon prénom et elle m'a donné son nom. Du coup, je suis allée sur l'annuaire, en fait, et j'ai fait tout. Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de personnes qui portaient ce nom-là et je les ai tous faits, je les ai tous appelés. Mais ça n'a rien donné. Vous avez tous appelés? Oui, ça m'a pris pas mal de temps, mais... Voilà, j'avais fait ma petite liste, je rayais au fur et à mesure. Et vous leur disiez quoi au téléphone? Je disais que je recherchais telle personne qui avait travaillé à tel endroit en telle année. Voilà. Et c'était jamais lui, cette personne-là? Non. Alors vous avez, j'imagine en désespoir de cause, vous avez demandé de l'aide auprès de qui? Un détective privé. Il a enquêté pendant 2 mois et il n'a rien trouvé. Il m'a dit non. Il dit j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Vous étiez dans quel état psychologique après tous ces échecs? J'y croyais plus. Je me suis dit je ne le retrouverai jamais. Voilà. J'ai abandonné. Enfin, j'ai abandonné, mais je regardais quand même de temps en temps sur Internet s'il n'y avait pas
un nouveau numéro de téléphone ou sur les réseaux sociaux. Je tapais son nom quand même de temps en temps, mais bon, sans trop y croire. Et puis finalement, le destin s'en est mêlé. Racontez-nous ce qui s'est passé cet été. Donc au mois d'août, j'ai écouté la chanson de Stromae, Papa Outé. Et je l'ai partagée sur mon mur, sur le réseau social où je suis inscrite. Et il y a une amie d'enfance à moi qui l'a vue. Et elle était avec sa mère à ce moment-là. Et elle lui a dit, tiens, elle ne connaît pas son père. Ce que j'avais marqué, moi aussi, j'aimerais bien savoir où il est. Et du coup, sa maman, elle a dit, mais moi, j'ai des informations, en fait. Je peux lui dire où il habite, enfin, je peux lui donner des informations. Du coup, elle m'a envoyé un message. Je l'ai contactée. Et comment elle avait des informations, elle ? Elle travaillait aussi, à cette époque-là, au même endroit. D'accord. Et donc, elle vous a donné des informations ? Elle m'a donné le prénom de mon frère, mon grand frère. Et bah, du coup, mon mari, tout de suite, il a tapé le prénom de mon frère, le nom et prénom de mon frère. Et bah, il était sur l'annuaire avec un numéro de portable. Du coup, je lui ai envoyé un SMS tout de suite pour savoir si son père s'appelait bien Bernard. Et effectivement, c'était lui. Alors, donc, il vous a répondu, c'est lui-même qui vous a contacté. Et puis, comment se sont enchaînées les situations ? En fait, il m'a appelé et il m'a dit, bon, bah, écoute, si ça s'est fait tout naturellement. Il m'a dit, si tu me dis que t'es ma fille, voilà, par rapport aux éléments que tu me donnes, oui, ça colle. Donc ça, c'était il y a 6 mois. Et depuis, vous tentez de rattraper le temps perdu tous les deux. Il a eu envie de témoigner, lui aussi, mais n'a pas pu se déplacer jusqu'ici. C'est donc par téléphone qu'il va nous donner son point de vue. Bernard, vous êtes là ? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez écouté le témoignage de votre fille, Marine. Oui, tout à fait. Qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, écoutez, voilà, comme elle a pu le dire, donc on s'est retrouvés au mois d'août de l'année dernière. Et donc, bon, ça a été une grande surprise pour moi, bien sûr. Plus qu'une surprise, ça doit être un choc, non ? Quand on apprend qu'on a une grande fille. Un choc, fille. Oui et non. Plutôt une grande surprise, parce que, en fin de compte, ça m'a paru naturel de mettre en route une relation qui n'avait pas pu exister jusque-là, quoi. Mais vous aviez une idée de son existence ? Vous aviez... Pas du tout. Non, pas du tout, parce que sinon j'aurais pris contact avec elle depuis très longtemps. Est-ce qu'on se sent papa tout de suite ? Ben, moi, je suis papa déjà depuis longtemps, parce que j'avais 4 enfants déjà. Donc voilà, un cinquième, c'était pas un problème. Voilà, on partage l'amour, sans problème. On se sent papa de suite, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était important surtout pour elle de pouvoir retrouver ce lien. Et c'est important pour moi maintenant aussi, quoi. Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre ? Un souvenir très fort, beaucoup d'émotions. Voilà, quelque chose de... Oui, empreinte d'une grande émotion. Oui. Marine ? Oui, pareil, beaucoup d'émotions. Dans la pudeur. Voilà, est... Est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez de la chance de tomber sur un papa comme ça, apparemment ? Oui, parce que ça ne doit pas être si fréquent que ça, ce genre de réaction, Yvonne. Non, mais Bernard a plusieurs enfants, comme il le dit, donc d'emblée, il sait ce que c'est qu'être père et il investit sa position de père parfaitement. Et aussi, il faut dire quelque chose sur Marine. Marine, dans votre recherche de père manquant, de mise à l'écart de ce père, vous l'avez toujours intériorisé parce que vous avez toujours été à sa recherche. Oui. Donc ce père-là, il était à l'intérieur de vous. Oui. Donc c'est plus facile après, quand vous le retrouvez concrètement, de créer le lien tout de suite. Oui. Et ça, il a dû le ressentir. J'ai l'impression, de toute façon, qu'il avait toujours fait partie de ma vie. Voilà. Il y a une différence entre justement ce père qui est à l'intérieur de soi et l'enfant qui justement n'a pas ce père extériorisé, qui est à la recherche d'un père éventuel. Vous l'aviez à l'intérieur de vous. Oui. Alors, vous avez répondu à notre appel à témoins. Quel message teniez-vous à faire passer en livrant votre expérience sur notre plateau ? Mais en fait, je voulais faire passer un message aux enfants. Déjà, il ne faut pas...
faut pas perdre espoir, en fait. Ceux qui cherchent, eh ben, un jour, ils peuvent trouver. Moi, ça s'est fait vraiment comme ça. Je pouvais pas imaginer que ça se fasse comme ça, du jour au lendemain. Donc, aussi naturellement, finalement, voilà. Alors que vous l'avez tant cherché. Voilà. Est-ce que vous ressemblez physiquement, tous les deux ? Je ressemble à une de mes sœurs. Et puis, ma fille, j'ai une de mes filles qui ressemble beaucoup aussi à ma petite sœur. Voilà. Mais non, tous les deux, je ne pense pas. Autre message à faire passer ? Aux mères, qu'il ne faut pas cacher l'existence. Enfin, il ne faut pas cacher les informations sur les pères, etc. Et c'est important, Yvonne, pour ce cours. On ne peut pas se construire si on n'a pas l'identité de qui est son père, qui ses deux parents, parce que le père, c'est vraiment un tuteur, c'est la colonne vertébrale de sa vie, en tout cas, de sa vie psychique et psychologique. Ouais. Et puis aussi un message pour les pères qui sont contactés par leurs enfants. Je pense que ça peut faire peur. Moi, bon, il a très bien réagi, mais je ne pensais pas... Je pense que ça peut faire peur. On se dit, voilà, un enfant qui débarque comme ça dans sa vie, qu'est-ce qu'il veut ? Mais je pense qu'il veut simplement connaître ses origines, simplement poser des questions et avoir quelques réponses. Même si vous ne voulez pas qu'il fasse partie de votre vie, juste une heure de votre temps à lui consacrer, c'est important. Voilà. Pas le rejeter complètement. Vous voyez souvent votre père aujourd'hui ? On a une distance géographique assez importante, mais oui, dès qu'on peut, on se voit... Merci d'être venu nous raconter votre histoire. On va poursuivre avec notre deuxième partie qui a pour titre « Deux presque inconnus ». Pascal était très attentif à l'histoire de Marine. Oui. Ça va, Pascal ? Oui. T'es un peu ému ? Oui, un peu. Un petit peu ému ? Oui. Alors, vous nous racontiez tout à l'heure comment vous avez appris sur le tard que vous étiez le père d'une adolescente de 16 ans. Vous étiez, on était resté, vous étiez au volant de votre voiture en train de vous préparer mentalement, de parler à haute voix pour prévoir le futur dialogue que vous auriez avec votre fille. Comment ça s'est passé, ce rendez-vous ? J'ai pris rendez-vous pour la voir pour la première fois en présence de sa maman, bien sûr, au domicile. Et lorsque je suis arrivé, elle m'attendait au pas de la porte. Qui, votre fille ? Et sa maman ? Ma fille est... Donc double choc, j'imagine. Et non. De revoir sa maman et de découvrir votre fille. Ça paye... Double choc dans le bon sens. Il n'y a pas d'amertume, ni de... Il n'y avait pas de haine, rien du tout. Au contraire, ça peut paraître bizarre. Mais j'avais aucun esprit de vengeance. Voilà, c'était comme ça. Ils se sont présentés à moi. Il y a une chose aussi que peut-être... Il faut que je signale, j'ai eu aussi énormément de mal lorsque j'ai eu les premiers contacts avec ma fille, de lui dire que j'étais en fauteuil. Parce que je ne pouvais pas savoir quelle réaction elle pouvait avoir, sur quelle... Et là, bon, j'étais dans la voiture, je paraissais comme quelqu'un. Et j'ai ouvert ma porte et j'ai sorti mon fauteuil pour faire mon transfert. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais des perfusions. Alors, j'avais une banane et je m'étais mis mes grenades de perfusion sous ma chemise. J'avais bien préparé. C'est vrai que sous l'émotion, je ne sais pas comment ça s'est passé. Pourtant, en 30 secondes, je fais mon transfert. J'ai fait mon transfert et ma tubulure s'est accrochée. Et moi, je ne l'ai pas senti de suite. Et c'est vrai que, bon, c'était le premier échange, j'ai essayé de dissimuler, puis je me suis dit, bon, je pensais avoir des bouffées de chaleur, mais j'avais mis une belle chemise qui commençait à rougir. J'ai dit, bon, il y a un problème, ça commence... Et puis les contacts sont venus comme ça. Elle s'est occupée de vous ? Oui, ils m'ont accueilli, je suis rentré à l'intérieur, on a partagé un verre, mais c'est vrai que, bon, la discussion, mais c'est comment vas-tu, etc. On a discuté un peu, mais dans mon esprit, je voulais pas avoir des réponses. C'était déjà. Est-ce que vous avez eu avec elle le dialogue que vous aviez imaginé dans la voiture ? Pas du tout. Est-ce que vous avez noté une ressemblance physique ? Oui, je pense que oui. Pas mal de traits de. Ça a dû vous émouvoir. Oui. Vous êtes devenus complices assez vite tous les deux ?
Je ne peux pas dire qu'on est complice parce que nous avons, via les réseaux sociaux, quelques relations, par le SMS aussi, et c'est pas régulier. C'est vrai que moi, je bouge aussi pas mal lorsque je pars à l'étranger. Souvent, je reçois des messages « comment ça va ?» Alors, je lui donne réponse et puis après, ça va rester pendant... J'ai du mal aussi à trouver ma place réellement parce que je n'ai pas encore, non pas les réponses, mais je n'ai pas encore senti, je n'ai pas eu le ressenti en face. C'est-à-dire ? Mais comment on voit la situation, ma fille, comment on voit, ressent la situation de l'autre côté ? Pourquoi vous ne l'avez pas eu ? Vous avez dû lui poser la question quand même. On n'a pas eu réellement... D'intimité, de dialogue. Voilà. D'intimité, d'opportunité pour aborder, voilà. Et que, c'était il y a 3 ans, cette première rencontre. Ouais. Vous ne l'avez pas revue depuis ? Non, je ne l'ai pas revue, non. Depuis, j'ai eu des échanges. Alors, je me suis toujours dit à moi-même, le jour où elle me demandera, je serai ouvert, bien sûr, à lui expliquer ce qu'elle a besoin de savoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à forcer la porte depuis 3 ans ? Vous savez, on a peur... de prendre une claque, quoi. C'est ça, le problème. Voilà, je désespère pas. Vous redoutez, en fait, son jugement? Vous redoutez de ne pas pouvoir la comprendre? Elle a 16 ans, elle a un copain, elle fume. Ça fait trop de choses pour vous, d'un coup? Non, c'est pas ce niveau-là. Moi, je redoute, c'est encore une fois, je redoute ma place. De ne pas trouver votre place. De ne pas trouver ma place. Mais et de ne pas être accepté. Pourquoi les choses ne se feraient pas naturellement, oui, si vous l'apprenez, comme le papa de Marine, qui naturellement a pris sa place de père? Alors, cela dit, il l'avait déjà été père 4 fois. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Pascal, et qui, en plus, Pascal n'a jamais connu son père biologique. Voilà, donc il y a beaucoup de composantes qui fait que vous n'arrivez pas à trouver les mots et les émotions qui pourraient créer un lien très intime et très fort avec votre fille. C'est comme si vous n'avez pas les outils pour prendre votre place de père. Mais une place, effectivement, ça se prend. On ne vous la donne pas, vous attendez qu'elle vous la donne, et elle, je pense qu'elle attend que vous la preniez. Mais il ne sait pas à quoi ça ressemble, une place de père. Oui, c'est compliqué, donc je pense qu'il faut tout simplement lui poser quelques questions. Régulièrement, comment vas-tu? Il faut la technique des petits pas, si vous voulez. Et dans le petit pas, il y a quoi? Il y a des questions qu'on pose, des interrogations, ne serait-ce que comment s'est passée ta journée, mais il faut rester en lien avec elle, parce qu'en 3 ans, le lien ne s'est pas assez formé. Je veux dire qu'il y a beaucoup trop de distance. Une curiosité d'être humain. D'être humain voilà. avant de vous considérer comme son père. Vous avez raison d'en parler, mais c'est ce qui est déjà établi. Ta journée, comment ça va? Je sais qu'elle fait des études, elle passait des examens. Bien sûr, j'entame ce contact, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, Marine, vous? Moi, je pense que sa place de père, il l'a déjà, par rapport à elle, il a déjà sa place de père, en fait, dans son cœur, mais... Elle fera, je ne pense pas qu'elle fera le premier pas. Il faut que... Et qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire ? Il lui livre ses sentiments. Elle se demande ce qu'il ressent. Elle se dit peut-être qu'il ne veut pas de moi. Enfin... Est-ce que vous lui avez dit que vous étiez heureux de la voir, de la connaître, d'avoir appris son existence? Bien sûr. C'est ça, c'est ce que je veux. Mais ça, Pascal ne l'a jamais entendu. Et je crois que derrière tout ça, il y a un dénominateur commun. C'est quoi? La peur du rejet. C'est-à-dire exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, c'est prendre aussi le risque d'être rejeté à nouveau par sa fille. Mais ces sentiments, je veux dire, par rapport à ma fille, je les expose. Mais le problème, c'est que je ne sais pas... Mais à elle, vous lui exposez? Oui, à elle directement, via, mais pas de visu, mais via les réseaux sociaux. Et moi, je préfère autant avoir quelqu'un face à moi... Et bien sûr, en parler, parce que c'est bien Internet. Mais pour moi, c'est... Mais est-ce que vous lui avez formulé que vous aimeriez la voir et la voir en face de vous? Je lui ai même, par exemple, dit que j'étais prêt à la recevoir, avec plaisir. Bon, après, il n'y a pas de... Bon, et je relance un peu, bien sûr, j'ai pas de réponse, alors je veux pas trop non plus insister. Est-ce que c'est la bonne méthode de la recevoir? C'est peut-être beaucoup d'un coup.
Oui, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une approche très subtile, très pudique aussi. Et je crois qu'il faut aussi passer par la mère. Il faut la voir, il faut que vous vous voyez à trois. Parce que souvent, la place du père, et ça c'est très peut-être intellectuel, mais est offerte par, le, par la mère. Donc je crois que votre... je ne pense pas que sa, sa maman vous ait dévalorisé, parce que sinon il n'y aurait pas eu ce... Donc je pense que... par la mère, des réunions à trois, des réunions symboliques, je ne sais pas, ben Noël, enfin tous ces rituels familiaux, il faut y participer. Et comme ça, le lien va se créer, c'est-à-dire c'est un lien familial qui va se créer. C'est encore plus dur à construire. Ah oui ? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fondation, il n'y a rien. Il faut... Et puis c'est vrai que je suis tout seul à raisonner. Les bons conseilleurs, comme on dit, ne sont pas les bons payeurs. Mais bon, on essaie. Alors, c'est vrai que c'est un tas de choses qui vous prend. Bah, vous n'êtes pas tout seul. On est des millions avec vous, là, Pascal. Mais tant mieux. Tant mieux, je prendrai vos contacts. C'est et pas puis, un vous problème. Avez Yvonne. Oui, elle est là, Madame Yvonne. Madame Yvonne. Léonard, vous nous expliquiez tout à l'heure que pendant des années, vous avez vécu une double vie. Vous êtes tombé follement amoureux d'une femme avec laquelle vous avez eu une fille et vous avez attendu 11 ans avant d'en parler à votre épouse. Quelques années plus tard, vous vous êtes installé en Guadeloupe au moment de votre retraite. Vous êtes parti en Guadeloupe accompagné de votre épouse. Et donc, à ce moment-là, vous avez vécu ça comme un déchirement parce que votre compagne est restée en métropole. C'était surtout le fait de l'avoir laissé avec Magali. Et Magali, c'est une enfant qu'on a désirée tous les deux. Mais elle a joué un rôle important quand même, parce que contrairement à Pascal, elle était là avec Magali pour lui parler de moi. Oui. Et il y avait des photos ensemble, puisqu'on a fait de nombreuses sorties. Donc chaque fois, c'était des photos. C'est-à-dire qu'elle est restée combien d'années sans vous voir, Magali ? 98 à 2005, 7 ans. Donc 7 ans, ça me voit. Et tout comme Pascal, elle a travaillé aussi dans le tourisme. Donc elle était de passage en Guadeloupe. Et donc je suis allé à sa rencontre au cours de cette journée. On a passé cette journée ensemble. Ouais. Donc voilà, c'était un jour merveilleux, inoubliable. Puisque il y avait quelques années déjà de séparation. Mais la maman a toujours été présente. C'est toute notre fierté, on peut dire, tout notre encouragement, ce fut la présence de la mère qui lui parlait toujours que ton papa t'aime, ton papa est là, tu le connais, puisque j'ai toujours été là, du moins assidûment, entre parenthèses, durant ces 15 premières années. Donc, elle me connaissait. Alors, votre fille Magali vit toujours en France et vous la voyez donc assez peu. Cette semaine, vous avez eu l'occasion de vous retrouver en famille pour la première fois depuis longtemps. Et nous allons le voir, votre séjour en France a changé pas mal de choses. À la recherche de l'harmonie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Regardez. 7h30 du matin à l'aéroport d'Orly. Cette jeune femme, c'est Magali, la fille de Léonard. Aujourd'hui, elle est stressée. Elle attend ses parents qu'elle n'a pas vus depuis plus d'un an. Ils arrivent de Guadeloupe. Bonjour. Après 6 heures de vol, les voici enfin. Très bien. Ça va ? Oui. T'as bien dormi ? Pas trop, mais ça va. On a très bien voyagé, ça a été. Oui, ça a été. Bonjour, ma petite puce. Comment tu vas? Tu vas bien, ma puce? Et toi? Ah oui. L'histoire de Magali et de son père est particulière. Alors, quand elle le voit, c'est toujours avec une grande émotion. À 30 ans, c'est la première fois que la jeune femme se promène entourée de son père et de sa mère, de façon légitime. Il y a toujours autant de monde sous les champs. Et là, il n'y a que nous qui comptons aujourd'hui. Et... les autres, on s'en fout. Ah oui, mais bon. Et quitte à être vu de tous, autant monter bien haut. Mais à 60 mètres d'altitude, Magali n'est pas très à l'aise. Tu as le vertige ? Un petit peu. Je suis pas à l'aise. Ah, c'est le fond. Aujourd'hui, la jeune femme fait sa première photo de famille. Tu peux nous prendre en photo tous les trois? Yes. Ok.
Ok, cheese. On va prendre un petit café là. Hein, c'est... On va prendre un parce qu'il fait froid. Ça fait du bien s'asseoir un peu. C'est des choses qu'on n'a jamais faites. Hein. On n'a jamais pu faire. Là, jour. On peut le faire librement. Ouais. On ne craint que personne ne nous voit. Ben, on a une vie normale il maintenant. Il n'y a pas une vie normale. Tu as trouvé le mot, c'est une vie normale. Normale. Il y a 2 ans, Léonard a officiellement reconnu sa fille. À 30 ans, Magali porte enfin le nom de son père. Depuis que je t'ai reconnu, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de barrière. Mais avant... On peut être n'importe où, ensemble. Y a t'as pas regardé rien qui est-ce ah non, qui passe qui est-ce qui passe, qui peut me voir. Non, il n'y a aucune couette. Je suis fière, de porter ton nom. Ça me touche toujours. Toujours quand je vois que nous sommes ensemble. C'est des moments vraiment que je croisais. À tout moment, pouvoir enfin partager avec vous deux. On ne pourra pas rattraper le temps perdu, mais les moments qu'on passe maintenant, c'est super. Pendant que Magali profite de ses parents, quelqu'un a décidé de lui faire une surprise. C'est Guy, son demi-frère. En apprenant que sa petite sœur, qu'il ne connaît pas, était de passage à Paris, il a sauté sur l'occasion. À 51 ans, il va enfin découvrir le visage de cet enfant caché. Il y a beaucoup de questions d'interrogation qui se posent, hein, puisque je ne connais pas la personne. Et c'est vrai que, bon, c'est toujours un peu d'anxiété en même temps, quoi. Et puis d'excitation. À quelques mètres de là, le père de Magali est dans la confidence. C'est lui qui va lui annoncer l'arrivée de son grand frère. Là, ils vendent des cadenas, papa. Je dois t'annoncer une surprise pour toi, spécialement. Tu connaîtras enfin ton frère aîné, Guy. J'espère que ça te plaira. Ouais, et c'est que vous allez vous accepter. Franchement, merci. Tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, on y va, il est où? On va le voir. On va le voir. Il arrive. C'est lui? Ah ben, c'est la surprise. Je sais pas à quoi il ressemble. C'est la surprise. Je l'ai jamais vu. Eh oui, ben, tu le vois. Là, tu cours vers lui. Bonjour, Magali, je te fais la bise. Magali et Guy sont gênés. Ils ne savent pas encore comment se comporter l'un avec l'autre. Pendant que le frère et la sœur se découvrent, Léonard, lui, préfère s'éclipser. On se ressemble un peu. Je sais pas. T'as jamais entendu parler de moi? Eh ben, j'ai entendu parler de toi il y a 2 ans. Donc voilà, donc j'ai appris que tu as une trentaine d'années, donc 30 ans. Oui, j'ai 30 ans. Hein, donc voilà, moi j'en ai 51, donc j'ai 2 enfants, je suis mariée. Ça me fait plaisir que tu aies accepté en fait. Ce matin, en me levant, jamais j'aurais imaginé avoir une surprise comme celle-là. Franchement, là, on m'aurait dit non. Franchement, c'est une belle surprise. Ah, bon. Ce n'est que le début. Ouais, c'est le début d'autre chose. Hein. C'est que le début. Là. C'est pas, ça. On ne veut pas dire que c'est la fin. Il y a plein de questions en suspens qu'on va développer au fur et à mesure. Quoi. Dans cette famille, les non-dits ont été la règle pendant des années. Alors il faudra encore beaucoup de temps pour que les uns et les autres se comprennent enfin. Et Léonard est tout ému. Très émouvant de voir ses enfants se retrouver comme ça. Absolument, c'est... Émotion, le vœu le plus cher. C'est mon vœu le plus cher, et de les voir tous un jour ensemble. On donnera le temps au temps. Alors, on va accueillir votre fille Magali qui est dans les coulisses et qui va nous rejoindre. Vous êtes d'accord? Absolument. Absolument. Merci d'accueillir Magali. Beaucoup d'émotions dans les yeux de votre papa, qui a l'air d'être un grand pudique, mais un grand sentimental. Comment vous avez regardé tout ça, Magali? C'était très, très beau. Un très beau reportage. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça change pour vous, le fait d'être reconnue depuis 2 ans? Ben, en fait, comme il l'a très bien expliqué, hein, et que vous l'avez bien compris, je ne l'ai pas vu pendant 7 ans.
Oui, je l'ai passé une après-midi avec lui, en 15 ans. Mmh. Donc, le fait qu'il m'ait reconnue, quelque part, c'est un petit peu une manière de se racheter de son absence. Et... Vous lui en avez voulu ? Oui, beaucoup. J'en ai beaucoup voulu. Surtout il d'être. Il vous a beaucoup manqué ? Beaucoup. Mais avec le temps, vous savez, après, on y pense moins. Mais le départ et les premières années étaient difficiles. Mmh. Voilà. Pendant. À quel moment ça a été le plus dur ? Au moment de l'adolescence ? Oui, il est parti, j'avais 15 ans. Donc, oui. Là, c'est ouais. Ce que je vous disais, c'est les premières années qui ont été le plus difficile. Mais après, on commence à vivre sa vie et puis on essaye de penser à autre chose. Et si vous preniez un peu dans le bras l'un de l'autre, non? Ah, j'adore mon père. J'adore ah bon mon père. Bah, et je suis fière de sa démarche. Et j'aime beaucoup ma fille. Ouais, parce que c'est pas rien quand même. C'est pas rien qu'il soit venu sur c'est ce plateau rien, et à visage découvert c'est aujourd'hui. Oui, parce que je pense que beaucoup de gens vont le voir sous un nouveau jour après cette émission. Mmh. Et le fait d'assumer sa situation comme ça, c'est... Enfin, moi, je suis fière de la démarche. J'ai pas mes responsabilités. Vous êtes toujours dans le tourisme ? Je suis en recherche d'emploi. D'accord. En ce moment. Toujours dans le tourisme, dans l'hôtellerie, la restauration. Et vous envisagez de partir peut-être en Guadeloupe un jour ? Pour ma retraite, peut-être. Non, pas avant. Vous avez le temps, là. Comme tous les enfants nés en région parisienne. Mais pour l'instant, d'accord. Je suis bien okay. Ici. Jacques, vous nous expliquiez tout à l'heure comment vous avez eu le sentiment d'être privé de votre paternité pendant 20 ans et à quel point vous avez été troublé quand votre fils a fait son apparition dans votre vie il y a quelques semaines. De quelle manière s'est déroulé votre premier tête-à-tête ? Mais je l'ai appelé, je lui ai dit « je monte, te voir ». Donc je suis parti de Dax, je suis monté sur Angers. Donc on s'est vu à la gare, donc il est venu me chercher. Donc on s'est fait la bise, donc c'est vrai que on s'est fait la bise parce que bon, c'est vrai que même si on était des étrangers, on savait que c'était mon fils et il savait que j'étais ton père. Mais c'est vrai que montrer ses sentiments à quelqu'un quand on est étranger, de montrer ses sentiments, c'est quelque chose de très dur. Parce que bon, on ne sait pas comment il va le prendre et on ne sait pas comment lui va nous le renvoyer. Le peu de heures que j'ai passées avec lui, les trois heures que j'ai passées avec lui, j'ai fait en sorte de lui faire plaisir. Voilà, donc il voulait aller manger à McDo, on est allé manger à McDo, on a fait très peu de choses, on a très peu discuté parce qu'il avait du mal à dialoguer. Et puis vous êtes allé chez Flunch et après vous avez fait un tour par Burger King. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que bon, je n'ai pas refait ma vie à cause de ça parce que c'est vrai que bon, je... Et pourquoi vous n'êtes resté que trois heures? Pourquoi vous n'êtes resté que trois heures cette première fois? Parce que il fallait que je rentre le dimanche. Le lundi matin, je retravaillais parce que bon, je ne travaille plus depuis fin janvier. J'ai été licencié. Donc voilà. Donc, il fallait que je redescende travailler. Donc déjà, j'avais fait l'effort de pouvoir monter le voir tout de suite. Est-ce que depuis, vous avez un dialogue Non, ça régulier. Va toujours pareil. C'est difficile. Ça va. Si je ne lui sors pas les mots de la bouche, il arrive pas à dialoguer. Ouais. Et vous ? Mais moi, je ne sais pas comment faire. Parce que je ne sais pas si, maintenant, à mon âge, à 52 ans, j'ai le droit de jouer mon rôle de père et je ne sais pas comment le faire. Quoi. Bah, peut-être qu'il attend que ça, en fait. Je ne sais pas, parce que des fois, je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière, parce que je sais pas, je suis complètement perdu. Bah, vous avez bien fait de venir nous voir. En tout cas, c'était quoi le sens de votre présence ici, sur notre plateau ? J'imagine faire passer un message à votre fils ? Oui, ce que je voulais dire à Maxime, parce que c'est bon que toutes ces années que je ne l'ai pas vu, j'ai toujours pensé à lui, je l'ai aimé malgré de loin, parce que c'est vrai que je n'ai pas pu lui donner l'amour que personne ne pouvait lui donner, là, présent, quand il était tout petit, s'en occuper, machin et tout. La seule chose que je veux essayer qu'il comprenne que bon, même s'il a 20 ans, je vais tout faire pour être là pour l'aider, parce que je sais qu'en 2014, la vie est très dure, même pour les gens de notre âge, pour trouver du travail, et pour les jeunes de maintenant, c'est encore plus dur. Donc je veux essayer de le mettre sur les bons rails, voilà, qu'il comprenne ce que je fais pour lui, c'est pour son bien à lui. Et pourquoi vous n'avez jamais retrouvé l'amour ? Parce que j'y croyais plus. Vous avez tellement souffert que vous vous êtes fermé, protégé ?
Non, mais je veux dire que je n'ai pas souffert, oui, mais après je me suis dit, la vie sentimentale avec une femme, on a tous des défauts, aussi bien l'homme que la femme, mais c'est, au départ c'est toujours tout beau, tout rose, et c'est vrai que bon, le tout beau, tout rose, j'en veux pas, je veux, c'est le quotidien, je veux comme, voilà, comme être... On a être heureux, être avec quelqu'un, être heureux, être bien et fonder une famille. Mais voilà, mais bon, c'est vrai que ou c'est moi qui ai perdu confiance en moi ou c'est moi qui ai plus confiance aux femmes. Mais je ne sais pas, je ne sais rien. Mais bon, c'est vrai que quelque part, cette blessure, elle est restée dans moi, quoi. Alors, peut-être des petits conseils d'Yvonne, parce que j'entends quand même plusieurs souffrances, à la fois le fait de ne pas savoir comment agir en tant que père et puis d'avoir renoncé à votre statut d'homme. Oui, mais bon, je veux dire que je me demande si je peux me permettre de me donner le droit d'être père maintenant, vu qu'il a 20 ans. Quand. On sent que vous ne vous autorisez pas à être père avec lui. Et c'est vrai que c'est difficile. Je ne sais pas quelle enfance vous avez eue, si finalement Maxime ne vous renvoie pas un petit peu en miroir votre propre histoire. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi beaucoup de blocages émotionnels. Vous n'arrivez pas à vous parler vraiment, hormis des choses objectives, et vous n'arrivez pas à créer un vrai lien. Néanmoins, depuis le début, vous avez, tout au long de sa vie, été en filigrane son père. Mais à chaque fois, votre place a été tue, vous avez été mise à l'écart. Et c'est cette blessure-là, le sentiment d'avoir été bafoué dans votre place de père, que vous ne supportez pas et cette blessure-là n'arrive pas à se cicatriser. Donc je crois qu'il faut commencer par là, en disant, écoute, Maxime, je t'aime, je suis ton père, je ne sais pas quoi faire. Il faut oser dire, je ne sais pas. Et là, ça ouvre beaucoup de portes. Je lui ai dit, mais après, voilà, est-ce qu'il va le ressentir comme si moi j'étais vraiment son père, voilà, parce que pour moi c'est un étranger, moi je suis un étranger. Lui dire je t'aime, c'est vrai que bon, c'est facile de dire je t'aime, mais après il faut pouvoir le prouver, il faut pouvoir lui donner des choses de ce mot-là. Est-ce qu'on l'éprouve ? Parce que bon, l'éprouve quand on n'a jamais vu son enfant, c'est pas évident. On peut l'éprouver, mais c'est comme quand on vient d'accoucher, on n'est pas immédiatement en mère parfois. Ça se crée. On se sent pas tout de suite. L'instinct maternel. Oui. Donc l'instinct paternel, se crée avec l'enfant, mais vous vous voyez très peu. Donc, c'est effectivement que des pointillés. Il faudrait se voir un peu plus. Vous savez, il a 20 ans. Oui. Prendre un enfant de 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué comme s'il avait 2-3 ans. Le lien parental est complètement différent. Là, à 20 ans, je suis obligé de lui parler comme un homme. Hein, et expliquer les choses comme un homme. Et avoir des sentiments comme ça envers son enfant, c'est un peu compliqué. Parce que je veux dire comment que de parler comme un homme à un homme. Non, mais je veux dire, voilà, c'est que... Qu'est-ce qu'on dit quand on parle à un homme comme un homme ? Mais quand je parle à un homme, je suis quelqu'un de droit, je marche comme ça, je ne marche pas comme ça. Et voilà, donc je veux essayer que mon fils marche comme ça, ne fasse pas la même chose que moi, parce que je veux qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, qu'il aime faire. Voilà, je ne vais pas lui imposer le métier que je faisais avant. S'il a envie de faire cuistot, il fait cuistot. S'il a envie de faire boulanger, il fait boulanger. Voilà. Mmh. Je veux pas lui imposer quelque chose. Mais je veux lui faire comprendre que je suis là quand même, sans être là. Parce que c'est vrai que bon, la relation entre père et fils de 20 ans, c'est très compliqué. Il a une fille de 16 ans. Bon, disons que c'est compliqué aussi. Mais tout est toujours compliqué de toute façon. Hein. Oui, mais vous savez, on arrive à un certain moment, parce que des fois, ça m'arrive, des fois, chez moi, à partir du 23 décembre, quand il m'a téléphoné, je l'ai rappelé, combien de fois je me suis parlé à moi-même. Mais je crois qu'il faut peut-être juste vous faire confiance et vous laisser aller un peu spontanément sans vous poser toutes ces questions. Mais si, pour moi, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Ouais. Et la vie sentimentale, vous lui en parlez comment ? La vie sentimentale, je dis j'attends que ça vienne, je cherche pas, je voilà, parce que je veux dire que c'est pas la peine de courir, c'est pas la peine, voilà, je pense que j'attends, le jour, vous allez discuter un peu avec Yvonne hein, après les non mais je veux dire pas d'école de parents, voilà, moi, non mais la vie sentimentale, ça n'a rien à voir avec, je sais pas si c'est à voir avec mon ex ou mon fils, mais je veux dire voilà, la vie sentimentale, j'ai préféré la mettre de côté, m'occuper de moi-même, donc voilà, de faire ce que j'avais envie de faire et de et voilà, je ne voulais pas non plus Peut-être que l'irruption de ce fils dans votre vie va vous... Parce qu'il m'a posé la question, est-ce qu'il avait des frères et des sœurs? J'ai dit non, j'ai pas refait ma vie parce que j'estimais que j'en avais fait déjà un et je l'avais pas vu pendant 20 ans
J'estimais que je n'avais pas le droit d'en faire un deuxième, et parce que j'avais peur que ça se reproduise. Et donc, vous êtes donc interdit d'avoir... Oui. Alors, non, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous ouvrir à tout. Comme si vous aviez peur d'être instrumentalisé par une femme. Non, mais je veux dire, voilà, je suis ouvert, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais je dirais que la souffrance, j'en suis un peu fatigué. De cette souffrance, j'en suis un peu fatigué. Et j'aimerais un peu retrouver un peu quelque chose, un peu de bonheur, un peu... Voilà, de légèreté. De légèreté. Comme si vous aviez cette blessure d'avoir la sensation d'avoir été instrumentalisé. Parce que vous savez que ce 23 décembre, quand il m'a appelé, les 20 ans ont ressurgi comme si la cafetière elle a explosé. C'est comme si elle m'avait quitté hier. Mais c'est ça, on a l'impression que ces 20 ans, vous ne les avez pas vus passer. Vous vous êtes interdit de vivre pendant 20 ans. Oui, parce que j'estimais que... Oui, je me suis interdit de vivre, oui, si on veut. J'ai oublié de vivre... Oui, mais bon, les chansons, c'est bien beau, mais la vie réelle, c'est différent aussi. Et comme elle a fait un bébé tout seul, c'est bien, mais voilà. En tout cas, Jacques, vous avez bien fait de venir. Vous allez être pris dans les bras de Madame Yvonne. Oh. Et je peux vous garantir que ça va changer le cours de votre vie et vous allez revenir peut-être un jour sur le plateau d'Histoire Continue avec votre fils. Oui, pourquoi pas. Oui. À la différence des deux, d'ailleurs, moi, j'ai eu Magali depuis sa naissance. Oui. Ouais. Il y a une séparation à 15 ans. La difficulté, c'est que je ne l'ai pas reconnue. Et ce fut une deuxième naissance pour elle, je pense, le jour que j'ai pu la présenter à la mairie et dire, voilà, tu auras mon nom. Et c'est une fierté pour moi. Je pense que cela a une très grande importance encore pour la maman. C'est qu'elle a voulu garder le nom de la mère et faire un trait d'union entre nous deux. Et ça, j'apprécie beaucoup. Le fait qu'elle ait gardé le nom de sa mère et le mien qui vient attaché. En tout cas, on ne les arrête plus, ces papas qui ont été en manque de leur paternité pendant 6 années. De parler, ça nous permet d'évacuer un peu. Mais bien sûr. Et alors, notamment vous, Jacques, que je sens... Vraiment, je vous sens être passé à côté de votre vie pendant 20 ans. Le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est immense, un immense pas. Et que vous ayez envie d'en parler et d'évacuer, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à évacuer. Hein? Oh, mais vous savez, je vais le faire par moi-même, parce que je pratique des sports de combat, donc je fais du yoga, donc j'arrive à évacuer. D'accord. Donc ça va sortir. Non, mais on sent que vous avez envie d'évacuer en parlant. Donc vous allez voir avec Yvonne. Vous savez, quand vous vivez seul et quand vous rencontrez personne, vous ne pouvez pas en parler. Et on ne l'arrête plus, Jacques. Bon, mais je vais me taire parce qu'après... Non, mais je veux pas vous frustrer. Moi, je sais que si je vous garde comme ça en face de moi, jusqu'à David Pijadas. Je comprends ce qu'il peut ressentir, parce que je le ressens aussi. Mm-hmm. Et ils se remettent tous à parler. Bon, on continue. Bon, vous allez continuer à parler tous ensemble en coulisses. On vous recevra à nouveau, j'espère que les choses auront avancé. Je vous dirai que je suis mariée, j'ai 4 enfants. Voilà. Merci d'être venu en tout cas. Merci à tous. Merci Yvonne et merci Marie, merci. Il est temps à présent d'ouvrir la deuxième partie de notre émission, une émission qui reste avant tout une extraordinaire aventure humaine où les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Et ce n'est pas Estelle qui nous dira le contraire aujourd'hui. Il y a 4 ans, Estelle était venue accompagnée de sa fille, de sa mère, de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. 5 générations explosives qui avaient enflammé notre plateau. Quant à Claudine, c'est un conflit de générations qui l'opposait, elle aussi, à sa fille, Justine, une jeune délinquante de 17 ans. Alors, où en sont toutes ces femmes aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être venues sur le plateau de l'Histoire Continue. Je vais commencer avec vous, Estelle. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 2 mars 2010 dans une émission intitulée « À peine 40 ans et déjà grand-mère ». C'était vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Pour quelle raison? Moi, je voulais faire passer un message. J'ai eu Laura, donc ma première fille, je l'ai eue très jeune, j'avais 18 ans. Et j'ai eu énormément de reproches en étant enceinte, comme quoi j'allais gâcher ma jeunesse. Des reproches de la part de qui? De tout le monde, des amis, de la famille, des gens, les regards que les gens ont sur nous dans la rue.
Et pour moi, je voulais faire passer ce message que malgré le fait que j'ai été maman jeune, maintenant j'ai 3 enfants, j'ai 3 enfants du même père. On est toujours ensemble, on est mariés. Ça prouve plus grand-chose. On peut très bien être mère à 17 ans comme à 40 ans. Il n'y a pas d'âge pour devenir maman. Et ce qui était intéressant donc, chez nous, c'est qu'on était toutes... Est-ce que votre mère vous avait eu très jeune aussi? Oui. Voilà. En général, on reproduit un schéma quand même. Ma maman m'a eu à 17 ans aussi. Donc elle avait quel âge quand elle était grand-mère. Elle avait 35 ans. D'accord. 36 ans. Ouais, 36 ans. Ok. Et donc, j'ai ma grand-mère qui a été grand-mère donc, à 37 ans. Ouais. Et j'ai donc mon arrière-grand-mère qui, elle, a été grand-mère, mais beaucoup plus tard, à plus de 40 ans. Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Ouais. Alors, pour tenter d'y voir plus clair dans cet imbroglio familial, je vous propose tout de suite de revoir un extrait de votre précédent passage à toute une histoire. Chez vous, était-ce plutôt un cadeau d'être une jeune mamie ou bien au contraire, était-ce un fardeau? La réponse tout de suite en images. Quand je suis tombée enceinte, j'avais 17 ans et j'ai accouché, j'avais 18 ans. À 24 ans seulement, Estelle était l'heureuse maman de 3 enfants. Et entre Laura, sa fille aînée, et Charlotte, son arrière-grand-mère, sa famille réunissait 5 générations. C'est ma maman. D'accord. Là, c'est ma mamie. Oui. Là, c'est ma arrière-grand-mère. Là, c'est ma arrière-arrière-grand-mère. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez profité de votre famille? Oui. De votre petite-fille? Oui, de mes petits-enfants, oui. Que voulez-vous demander, monsieur, à mon âge? Jean-Luc. D'habitude, tu les vois, les jeunes hommes, hein? Ah oui. Oh, elle l'a vu, elle l'a vu. Oh, mais pour ça, je vous ai bien bu. Si Charlotte profitait au maximum de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ce n'était pas le cas de toutes les femmes de la famille. Quand Corinne, la mère d'Estelle, assumait pleinement son rôle de grand-mère... Mes petits-enfants, c'est ma vie, c'est comme mes enfants. Christiane, l'arrière-grand-mère, tenait-elle un tout autre discours? J'ai très mal vécu d'être grand-mère, je voulais pas. On habitait très loin l'une de l'autre. Et le pire, ça a été quand on m'a annoncé que j'allais être arrière-grand-mère. Quand elle en a eu un, bon, bah, j'ai dit, une, c'est bien. Après, deuxième, troisième, j'ai dit, bah, ça arrêtait quand? Elle fait peur, votre grand-mère? Je l'aime bien, hein, mais... On n'a pas d'affinité. C'est très bien qu'elle soit un peu loin. 4 ans plus tard, la relation entre Estelle et sa grand-mère, Christiane, a bien changé. Laura, Dylan, on y va, il y a mémé qui va arriver. Les deux femmes vivent désormais à côté l'une de l'autre et ne manquent jamais une occasion de partager des moments ensemble. Bonjour les enfants. Salut. Ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va. Ça y est, tout le monde. Oui, je suis prête. Moi. Allez, on y va. Allez. À 66 ans, Christiane assume désormais son rôle d'arrière-grand-mère. Et cela dans toutes les situations. Allez, mémé! Ouais! Ouais! On voulait jouer 2 minutes? Oui, allez, mon dédou! Moi, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui. Moi, je suis contente aussi. Hein. Tu vois, c'est quand même bien parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire, ça. Hein. Je regrette qu'on n'ait pas pu passer tout ce temps-là quand j'étais plus jeune. Mais bon, je suis contente que maintenant, ça ait changé. Donc, tu es devenue une grand-mère. Voilà, je suis devenue une grand-mère un peu... à l'âge où on est grand-mère. Si les deux femmes sont aujourd'hui bien plus proches, c'est qu'elles ont dû faire face, il y a quelques mois, au décès de Charlotte, la doyenne de la famille. Le jour où on a fait rentrer ma maman en maison de retraite, donc moi, j'ai décidé de me rapprocher pour vraiment bien m'en occuper. Charlotte est décédée, donc je pense que ma grand-mère a besoin d'avoir quelque chose pour se raccrocher et on est là pour elle. Et bon, j'ai un petit coup de blues, bah, je vais chez Estelle. Aujourd'hui, notre relation est beaucoup plus forte du fait déjà qu'on se voit beaucoup plus souvent. Je veux profiter de mon rôle de grand-mère et d'arrière-grand-mère. De retour chez Estelle, pas de temps à perdre, car aujourd'hui, les deux femmes attendent de la visite. Et quand Estelle invite, c'est toute la famille qui est au rendez-vous. Lui, c'est Willy, le grand-père d'Estelle, et donc le mari de Corinne, sa grand-mère. Corinne, qui est donc la fille de Christiane.
Ça va? Oui, ça va, et toi? Bah, écoute, ouais. Arrive ensuite le frère d'Estelle, Jonathan, sa femme Marine, ainsi que leurs deux enfants, Clara et Léo. Tu l'as pas fait un petit mimi à ta mémé? Oh, des deux côtés. Des... Quatre mois après la disparition de Charlotte, la famille a su rester soudée. Chaque week-end, ils se réunissent chez Estelle, qui vit désormais dans la maison de son arrière-grand-mère. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand Estelle elle est venue habiter ici, c'est de retrouver de nouveau l'étendage dehors avec les cordes de linge remplies, bah oui, alors oui. Que ça faisait des années que ça n'arrivait plus. Maintenant, ça a repris vie. Cette maison représente 5 générations. Je pense que de là-haut, la maman doit être contente. Oui, je pense. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que la famille reste soudée comme elle l'est actuellement et pour le plus longtemps possible, quoi. Là, on va dans le bon sens, là, maintenant. Maintenant, on va dans le bon sens. Et je pense que je serai arrière-arrière-grand-mère, très tôt. Ça y est. Je pense qu'on repartira dans la lignée, hein. Bon, alors, ce reportage était censé lever l'imbroglio. Moi, je suis toujours aussi paumée. Alors, présentez-vous. Alors, moi, je suis la grand-mère d'Estelle. Oui. Et la maman de Corinne. Voilà. Et Charlotte, c'était ma maman. Voilà. Et vous êtes l'arrière-grand-mère de vos enfants. Voilà. Et donc, peut-être avez-vous une chance probable, d'ailleurs, d'être arrière-arrière-grand-mère. Sûrement, oui, parce que ma petite-fille, mon arrière-petite-fille a déjà 10 ans. D'accord. Donc, d'ici 3 ans, elle est maman, quoi. Non, il paraît que non. Ça a changé depuis l'émission. C'est vrai? Oui, parce que pour l'émission, elle avait dit à Jean-Luc qu'elle serait maman aussi très jeune. Oui. Mais maintenant, elle avait dit pas trop tôt. Et quand Jean-Luc lui avait demandé à quel âge, elle avait dit 16 ans. D'accord. Donc c'est toujours aussi tôt. C'est toujours aussi tôt. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on a toujours tendance à vouloir reproduire le schéma familial? Ça doit être sympathique d'avoir des mères et des grands-mères aussi jeunes. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Enfin, disons qu'elles sont quand même déjà plus actives, elles peuvent faire plein de choses. Après, il faut encore qu'elles arrivent à assumer ce rôle de grand-mère que ma grand-mère n'a pas su assumer avec nous. Voilà, elle Pourquoi était loin. Elle habitait Paris à l'époque. Voilà, elle habitait Paris, où on ne se voyait pas souvent. C'était la seule raison Donc je travaillais beaucoup. Et puis elle était trop jeune. Oui, j'étais trop jeune. Ouais. Donc maintenant, vous l'assumez? J'assume avec les arrières. Parce que maintenant, les petits-enfants sont trop grands. Vous avez quel âge, vous, maintenant? Moi, 66 ans. D'accord. Donc là, vous avez l'âge d'être... D'être grand-mère. Mais pas arrière-grand-mère. Non. Mais bon, je suis contente, hein. Bon. Est-ce que vous gardez un bon souvenir du passage avec Jean-Luc? Oh, ça a été merveilleux. Entre Jean-Luc et Charlotte? Oh, c'était une grande histoire d'amour. D'ailleurs, on a fait, à la fin de l'émission, on avait fait des photos avec Jean-Luc. Elle était tombée amoureuse de Jean-Luc. Ah oui, c'était... Elle avait quel âge au moment où elle est passée sur le plateau? Elle avait 88 ans. Et donc, elle vous a quitté il y a peu? Au mois d'octobre, il y a quatre mois. Elle est tombée malade? Non. Elle s'est réveillée le matin, elle a déjeuné. Et puis, mais la veille, elle m'avait demandé, elle m'a dit « Christiane, tu m'amènes des frites et de la salade ». Parce qu'à la maison de retraite, ils ne pouvaient pas faire ce genre de repas. Ça a été son dernier repas. On peut dire qu'elle a eu une belle mort. Oui. Mais donc, très, 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 très dur. Parce que bon, moi, je m'étais rapprochée, justement, pour pouvoir m'occuper d'elle. Donc, Et elle a dû être triste du départ de Jean-Luc. Elle avait encore toute sa tête. Elle avait sa photo sur sa table de nuit. Parce qu'elle avait été prise à... Elle avait été prise en... Elle est belle, d'ailleurs, oui. Cette photo-là. Oui. On voit tous les deux. Bon, alors, oui, donc, quand il est parti, elle a dû être triste Très triste. Trouver ça injuste. Oui, puis elle en parlait à ses copines dans la maison de retraite. Oui, mais moi, j'ai été à Paris, j'ai vu Jean-Luc Delarue. Et quand je lui ai dit, oh, c'est dommage, un beau jeune homme comme ça. Parce qu'elle avait ce mot à dire, un beau jeune homme. C'est vrai qu'il était pas mal. Ah oui, ça, oui. Pas mal et très, très sympathique. Alors, est-ce que... Donc, Estelle, vous vivez dans la maison de votre arrière-grand-mère? Oui. C'est important pour vous? En fait, oui, c'est important que cette maison reste dans la famille.
À la base, ce n'était pas le but premier non plus, non. Parce qu'on a eu, donc, quand ils ont décidé de mettre donc, mon arrière-grand-mère à la maison de retraite, parce qu'elle pouvait plus se débrouiller toute seule, ils cherchaient donc un locataire. Nous, on cherchait une plus grande maison, donc, étant donné qu'on avait 3 enfants, il nous fallait une chambre de plus. Donc on cherchait une plus grande maison, et il s'avère que la maison de la grand-mère avait 4 chambres. Donc c'est exactement ce qu'on cherchait. Et eux recherchaient donc un locataire pour pouvoir avoir un complément afin de payer la maison de retraite. Donc on a sauté sur l'occasion et maintenant je suis super heureuse de vivre cette maison, enfin de vivre dans cette maison, parce que je me dis c'est la maison de la famille malgré tout. Et mon but c'est de l'acheter dans les années à venir. Alors les 3 on dirait les Dalton là. Il manque il manque la 4e. Votre fille, quand est-ce que vous allez vous faire couper les cheveux? Ma fille? Non, à vous, pour être dans la lignée familiale. Non. Jamais? Jamais. Bon, ma fille, elle me tuerait, mais... Et maman aussi, je crois. Ouais. Parce que? Elle a trop beaux cheveux pour les couper. Donc là, vous avez chacune réussi à trouver votre place. Ouais. Ni trop près, ni trop loin. Voilà. Oui, chacun a sa place. Quand on en a envie de se voir, on se voit. Quand il faut... Bon, mon arrière-petit... fils va au tennis, donc le mercredi c'est mon rôle, je l'emmène et je retourne le chercher. Et vous assumez votre rôle de grand-mère? Ah moi oui, toujours autant, c'est, pour moi ça n'a rien changé, sauf que j'ai repris une activité professionnelle, donc de par le fait que je travaille, je ne peux beaucoup moins m'occuper de mes petits-enfants, mais c'est vrai que dès que j'ai mon jour de repos, je vais les chercher, je m'en occupe. Et en fait, c'est maman qui a pris le relais, en fait. Donc, elle me comprend mieux qu'avant. Oui, tes petits-enfants, tu ne les prends pas, mais quand tu as une vie professionnelle et que tu travailles pendant que les autres sont en vacances, ben, tes petits-enfants, tu ne peux pas les prendre. Oh, en tout cas, ça doit être sympathique quand même de partager tous ces moments ensemble. Et, oui, oh, mais il y a quand même bien, on n'est pas toujours d'accord. Hein. Oh, oui, bah, oui. Enfin, non, parce que ça s'est quand même apaisé avec le temps. Et le fait qu'on habite plus près l'une de l'autre, parce qu'avant, on était à 500 km d'écart. Maintenant, vous êtes à combien de kilomètres? Oh, à 4. 4 km, donc voilà, on est tous... Presque y aller à pied. Très bien. Donc, c'est vrai qu'avant, quand on se voyait, c'était presque des règlements de compte, nos petits conflits présents et passés, alors que maintenant, on a fait table rase de tout ça. Un jour, on a fait un tour de table. On a discuté de tout ça. En tout cas, profitez des bons moments que vous pourrez passer ensemble. Hein. Une petite pensée pour Charlotte et Jean-Luc. Oui, une grosse. Voilà, donc tant qu'on a la vie, il faut profiter. Ça c'est vrai. Et peut-être oublier les conflits. Ça n'a jamais été des gros conflits. Non, hein. Non mais parfois non. C'est des conflits inutiles qui gâchent la vie, pour pas grand-chose. Oui, ça, c'est vrai. Merci d'être revenu nous voir. Il est temps, à présent, de passer à l'histoire de Claudine. Merci d'être là, Claudine. Nous avions fait votre connaissance le 4 février 2010 dans une émission intitulée « Mon fils est un voyou ». Et comme Estelle, c'est vous qui aviez pris l'initiative de nous contacter. Quel était le sens de votre démarche à l'époque ? À l'époque, quand j'ai contacté, j'ai pas contacté l'émission pour y participer, j'ai contacté l'émission sur un coup de tête, parce que l'appel à témoins, mon fils est un voyou, j'étais dans une période où je me battais pour trouver des solutions et essayer de faire avancer ma fille. Et donc le fait que l'appel à témoins concerne que les fils, ça m'avait un peu révoltée, donc j'ai envoyé un message énervé en disant « mais il faut arrêter, quoi, il n'y a pas que les garçons qui sont dans ce cercle-là ». J'ai été, on m'a rappelé rapidement et je n'avais pas l'intention de participer. Et puis c'est ma fille qui m'a dit, si, maman, vas-y, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir dire ce que tu as sur le cœur, ça va te soulager. Alors justement, vous avez 3 enfants et c'est Justine, votre petite dernière, qui sortait du droit chemin. Lorsque vous êtes venue la première fois, elle n'avait que 17 ans et pourtant, elle vous avait déjà donné beaucoup de fil à retordre. Beaucoup. Alors, quel chemin a-t-elle parcouru depuis 4 ans? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir dans notre reportage. Quand on lui faisait une remarque qui ne lui plaisait pas, elle voyait rouge, elle ne contrôlait plus rien. Il fallait qu'elle tape. En 2010, Claudine nous faisait part des problèmes de comportement de sa fille, Justine. Elle avait commencé à poser des problèmes en primaire, à l'école primaire. Dès l'école primaire? Dès l'école primaire. Quel genre de problème? C'était des raquettes de goûter. À partir de quel âge a-t-elle commencé à commettre ce qu'on appelle des délits?
Les délits, les vrais délits, c'était vers 15 ans. Suite au divorce de ses parents, Justine avait sombré dans un mal-être, la poussant à des excès de violence. Résultat, la jeune fille se faisait systématiquement exclure du collège. L'école, elle était vue aussi par l'élève qu'il fallait éviter. Quel genre de coup? Parce qu'on a du mal à imaginer ça de la part d'une fille. Des coups de poing. Elle disait qu'elle ne contrôlait pas. Après, une fois qu'elle avait tapé, elle était soulagée, elle reprenait ses esprits. Afin de sortir sa fille de cette spirale infernale, Claudine avait pris une décision radicale. La placer dans un internat où elle serait encadrée par des éducateurs. Elle s'est fait exclure de cet internat? Oui, aussi. Oui, elle a été exclue parce qu'ils l'ont... Enfin, en partie parce qu'ils l'ont trouvée avec une arme blanche. C'est un grand couteau pour la pêche. Rattrapée par ses démons, Justine avait replongé. On se pose plein de questions. Qu'est-ce que j'ai loupé? Aussi souvent, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Où je me suis ratée? C'est vrai que c'est des moments où on se sent perdu. Quoi que fasse son enfant, c'est notre enfant, quoi, c'est notre chair. Quatre ans après l'émission, nous retrouvons Claudine près de Versailles. Aujourd'hui, c'est une mère qui semble plus apaisée. Témoin des épreuves traversées par Claudine, son amie Rabra est heureuse de la voir enfin sereine. Quand Juju, la dernière fois, je l'ai croisée, c'est vrai que maintenant, elle donne l'impression vraiment d'être bien dans ses baskets. Ah, bah maintenant, pas photo, quoi. C'est le jour et la nuit. Hein. Elle est sereine, elle est posée. Maintenant, on rigole, on se chambre. Ouais, c'est une autre Justine. C'est une autre Justine. Oh, franchement, elle le porte sur elle. Le grand sourire la dernière fois. Ah, je me sens soulagée, t'imagines même pas comment je revis depuis que... Ah si, ça se voit. Franchement, ça fait plaisir. Âgée de 21 ans, Justine s'est aujourd'hui assagie. Encadrée par des éducateurs, elle a suivi une formation dans la restauration et s'est réinsérée dans la vie active. Justine aujourd'hui travaille ici depuis 4 mois. Elle a enfin un travail stable, ce qu'elle n'avait jamais eu avant. Et donc, pour moi, c'est un petit plaisir de venir la chercher régulièrement, enfin, ou de temps en temps, histoire de partager un petit moment avec elle. Sympa. Ah, bonjour, ma bonnette. Ça va ou quoi? Ça va. Ça va? Ouais, et toi? Pas trop fatiguée? Non, ça va. En forme? T'as bien bossé? Ouais, on a fait un bon service. Après le service, rien de tel qu'un café entre mère et fille. L'occasion de se confier pour les deux femmes. Bon, je suis contente que tu aies repris le droit chemin. Hein? Il fallait, hein. Il fallait, ouais, c'est sûr, il fallait. Et au moment où... C'est sûr, il fallait. Il me vaut tard que jamais. Des chiens, un peu, pour sortir de tout ça. Ah oui, ça c'est sûr. On en a, c'est pas fou. On en a bavé quand même, hein. Ouais. Ça n'a pas été des périodes faciles, hein. Ouais. Et les mauvaises fréquentations maintenant, c'est derrière? Ouais. Fini tout ça. Des mauvaises fréquentations dont Justine a pu se détacher grâce à l'exigence de son travail. Bon, les règles, tout ça. Bon, au début, c'était dur, les règles. La discipline. C'était dur aussi. Non, mais ouais, c'est bien. J'avais besoin de ça. Moi, je fais quelque chose et puis voilà. Et je retomberai pas dans tout ça. C'est fini. C'est derrière moi. Je suis devenue quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Je sais que t'es quelqu'un de bien. J'en ai jamais douté, Justine. Je suis fière de toi. Tu sais? Ouais, je sais. C'est parti. On y va. Si Justine s'est remise au sport pour se dépenser, c'est aussi le moyen pour elle de renouer des liens complices avec sa mère. Je travaille comme on l'allume? Oui, je sais. T'inquiète. Ça fait quoi de se remettre au sport? Ça me défoule. Ouais, ça défoule. Tu vois, je te l'avais dit. Ça détend. Je te l'avais dit que ça fait du bien physiquement de se bouger, de bouger son corps. Ah bah oui, c'est hein? Sûr. Et puis en plus, on le fait ensemble. C'est encore mieux. Bah, c'est sûr, c'est génial. Hein? Mamie. Ouais, ça me fait du bien d'avoir retrouvé tout ça. On s'était perdu. On n'avait plus de complicité, plus de contact. On ne faisait plus rien ensemble. Là, ça a un soulagement. On arrive maintenant à se parler, on arrive maintenant à avoir une relation mère-fille. C'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Si elle n'avait pas été là,
Je sais pas où est-ce que je suis heureux aujourd'hui. Je suis très heureuse de ce qu'elle est devenue. Je ne pourrais jamais la remercier assez de tout ce qu'elle a fait pour moi. Claudine et Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Il y a combien de mouchoirs dans les poches? Pas mal, hein. Attention, hein. Il y a une réserve. Oui. Toujours une casquette, des lunettes. Toujours, oui. Vous vous cachez? On va dire ça. Un peu. Oui. Bon, comment ça va? Ça va bien, merci. Hyper à l'aise d'être là sur ce plateau? Non, je dirais pas ça. Important, j'imagine, pour vous de provoquer la fierté de votre maman. J'ai vu que tout à l'heure, quand on la voyait avoir quelques larmes dans le reportage, ça vous touche? Oui, ça, oui. Vous vous culpabilisez de l'avoir fait souffrir? Oui, parce que plusieurs fois, elle m'a dit « j'en peux plus, j'arrive plus ». Et elle a jamais, elle m'a jamais laissé tomber malgré ça, toujours. Donc quand je la vois comme ça, ben, je me dis, il y a quelques années, quand je la voyais comme ça, je m'en foutais. Enfin, j'avais pas la même réaction qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, quand je vois des images comme ça, ça me fait mal. Comment vous expliquez que vous ayez basculé comme ça dans les conneries, entre guillemets? Vous avez voulu provoquer? Vous avez voulu la tester? Non, du tout. J'ai pas d'explication à ce que j'ai pu faire auparavant. Mmh. J'ai souvent entendu dire que c'était parce que mes parents, ils avaient divorcé. Moi, j'ai jamais dit que le divorce avait fait... Enfin, c'était assimilé à mes violences, à la délinquance et tout ça, je pense. Vous aviez quel âge quand ils ont divorcé? 10 ans, je crois, 11 ans. C'est ça? Ouais, je 9 ans, 9 ans. Est-ce que c'était une manière pour vous d'attirer l'attention sur vous? Je sais pas. Moi, c'est pas mon ressenti. Après, ça a pu être le ressenti de ma mère ou même d'autres. Moi, c'est pas le mien. J'ai pas de... Vous portez quel regard aujourd'hui sur tout ce que vous avez fait, sur toutes ces années-là? Un regard positif, parce que, oui, bah, enfin, d'avoir avancé. Ah bon, d'accord. Non, oui, pardon, excusez-moi, d'en être arrivé là, oui, c'est positif. Ouais. Après, ce que j'ai pu faire auparavant, ce que je dis souvent, c'est que si c'était à refaire, je le referais, parce que ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Voilà, de se retrouver en garde à vue, bah, ça fait réfléchir. Puis après, on ne recommence pas les mêmes conneries une deuxième fois. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, si c'était à refaire, même si ça a été dur pour ma mère, je le referais. Pour moi, personnellement, pour moi, je le referais. Ah, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait du même avis. Non, à choisir, je préférais nettement ouais, c'est que... sûr. En tout cas, elle a été patiente et aimante, cette mère. Mm. Quel impact l'émission a-t-elle eu? J'ai été surprise parce que j'avais parlé à très peu de gens de ce qui se passait à la maison, des difficultés que je rencontrais avec Justine, des confrontations, des perquisitions, enfin toutes ces choses-là. Parce que je m'étais brouillée avec ma mère, en l'occurrence, sans savoir, elle portait un jugement négatif, donc je me cachais de tout ça, ça restait du privé. Et après le passage à l'émission, j'ai été surprise, j'ai eu beaucoup de témoignages de chaleureux, d'encouragement, je me suis rendu compte que finalement, d'abord d'une, j'étais pas la seule à me retrouver dans une situation comme celle-là, mais en plus, voilà, de me dire que les gens pouvaient me soutenir et pas m'enfoncer et pas. Et vous, Justine, vous l'avez vécu comment, le fait de ce témoignage dans l'émission comme ça devant tout le monde, ça vous a? Elle n'était pas présente autour d'elle. Non, je sais bien, mais à l'époque, ça a dû vous gêner qu'on parle de vous comme ça à la télé, non? Un petit peu, oui. Mais je sais qu'elle en avait besoin. Donc, Et vous étiez partagée entre l'envie de faire plaisir à votre mère et de la protéger tout en lui faisant du mal, quoi. Oui. Hein, ça a été pendant des années, ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre relation depuis l'émission? Depuis l'émission, on a eu toute cette période. Au moment de l'émission, c'était déjà pas facile. Hein. Il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées. Mais
elle était en apprentissage à l'époque où on a tourné le reportage, avec toutes les difficultés dont je parlais déjà, à savoir l'autorité, la discipline, tout ça, c'était très compliqué pour elle. Depuis, elle a eu son CAP dans la restauration, elle a travaillé un tout petit peu, puis il y a une longue période de chômage, et puis depuis l'été dernier, elle a fait des remplacements dans le restaurant, qui l'a gardé, parce qu'au final, c'est quelqu'un de sérieux, enfin, malgré toutes les bêtises qu'elle a pu commettre, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements et qui assume ses bêtises aussi, parce que faut pas oublier que dès le départ, la première fois qu'elle s'est retrouvée en garde à vue, c'était elle d'elle-même qui s'était rendue en disant voilà, c'est moi qui ai fait ça. Elle a pas attendu qu'on vienne la chercher à la maison. Et depuis peu, il y a un CDI, je crois, qui récompense tes efforts, enfin vos efforts. Oui. Et sans la casquette, ça donne quoi? Vous voulez voir? Ouais. Pas mal du tout, hein. Moi, personnellement, je préfère. Hein. Là, les cheveux ne sont pas détachés encore. Alors, est-ce qu'on peut faire sans la casquette avec les cheveux détachés? C'est pour vous. Alors là, moi, j'y ai pas droit. Hein. Voilà. Voyons. Waouh. Et est-ce qu'un jour on pourra vous voir sur ce plateau déguisée en fille, en vraie fille? Peut-être un jour, ouais. Peut-être un jour. En tout cas, ça vous va bien, hein, sans la casquette. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein, prendre des lunettes un tout petit peu moins grandes pour qu'on vous voit mieux le visage encore. C'est parce que les autres sont cassées. On fait relooking aussi, hein, si vous voulez. On fait tout, nous, dans cette émission. Peut-être un petit message à votre mère, avant de conclure? Ouais. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que je sais que tu aurais pu baisser les bras, tu aurais pu me laisser tomber. Et non, tu as toujours eu confiance en moi, tu m'as toujours tiré vers le haut. Et voilà, moi je te remercie, mère, courage. Hein? C'est une forme de la vie. C'est bon hein, d'entendre des trucs comme ça. Ça doit faire du bien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je vais vous demander à toutes les cinq de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci pour tous ces témoignages de femmes, de mères, de grand-mères, d'arrière-grand-mères, de filles, de petites filles, enfin bref. Merci à toutes. À bientôt pour d'autres histoires. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Et si la grossesse ne représentait pas toujours 9 mois de bonheur? Le premier trimestre, je suis restée couchée. Nausées, vomissements. Moi, la grossesse, ça représente 9 mois d'ennui. 9 mois de contraintes où je peux rien faire. Ah bah moi, je me suis retrouvée enceinte, j'ai dit mais c'est quoi cette blague là? Je pleurais tout le temps, j'en avais marre, je voulais tout arrêter. J'ai voulu avorter plusieurs fois. Elle déteste être enceinte. Ça a été de la culpabilité du début à la fin. J'ai pris en moyenne entre 25 et 30 kilos. Je me regardais dans la glace, voilà, je me disais mais je suis grosse, je suis moche, donc j'étais complètement hystérique. J'avais peur de me déformer en fait. Et l'idée qu'un enfant se développe en vous, ça me dégoûtait. Alors, réussiront-elles à se lancer dans une nouvelle grossesse? Il y a eu des moments très durs, des gros clashs dans le couple. Voilà, ça n'a pas toujours été évident, mais à côté, il y a tel bonheur d'avoir les petits bouts de chou qu'à... Je l'ai aimé. Il m'a réconciliée avec les bébés, on va dire. Quand je vois... Vous êtes prête à en refaire un?